qui est absorbé par le plat n'a jamais demandé à l'aide de naissance. Donc elle est née le 22 avril. Tout près d'Aurillac. Grande, plus que deux jours de la même consigne. C'est la cinquième produit. Et pareil que tout à l'heure. Allez, marche au pas. C'est une souche. Devant, devant le jury. Ici. Vous aviez rebaissé les cartes. Levez la main gauche, je vous dis. Plus postérieur, c'est vrai. Revenez. Je reprends. Là aussi, vous avez une souche de qualité d'assez récente par rapport à d'autres souches à QPS. C'est aussi un croisement à l'envers. Mais vous verrez tout à l'heure que ce croisement à l'envers nous a donné. Au trot, vous l'a lâché, au trot, le long de la liste. Crac chevaux. Lâchez-la, le mec, il est au-dessus de la vidéo. Lâchez-la, s'il vous plaît. Le géniteur de ce croisement à l'envers, qui est un anglo-arabe de l'époque bien connu, et officier aussi au Lion d'Angers, le verglas, qualifié le verglas d'anglo-arabe, puisque beaucoup de ses descendants se sont retrouvés avec un lacet au bout. Vous allez comprendre tout de suite. Vous pouvez refaire un tour, s'il vous plaît.